Good morgen, allez, Yidan, les tutres aujourd'hui, le Nishmat, Mori, Barbi, Shmuel, Ben Shlomo, Zalman, Nissim, Ben Nahuda, Sarah, Patrana, Rachel, Shlomo, Ben Esther, Risha, Batrim, Nechemia, ainsi que Lirfuat, Avraham, Uri, Ben Reut, Petor, Shachol, Israël. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet Zvachim, Perektet, Mishnah, Hey. Ve Elu, Im Alu, Yeredu. Besar, Kochikodashim. ובשר הקודשים קלים, ומותר האומר, ושתי הלחם, ולחם הפנים, ושיערי המנחות, והקטורת. Attention, il y a un point ici. Jusqu'à maintenant, il y a des virgules, maintenant, il y a un point, parce que maintenant, on commence un nouveau sujet. הצמר שבראשי הכבשים, השיער שבזקנתי השים, והעצמות והגידים והקרניים והטלפיים, בזמן שהם מחוברים, יעלו, שנאמר, והקטיר הכהן את הכל למזבחה. פרשו, לא יעלו, שנאמר, ועשית עולותיך, הבשר והדם. On est toujours dans le fameux sujet des Olim, Im Alu, Lo Yerdu. Ouais, on commençait le Perek avec la fameuse phrase Amisbeach Mekadesh et Araouilo, c'est-à-dire, on est en train de parler de choses que s'ils sont montés sur le Misbeach, qu'il ne fallait pas les apporter a priori, mais si toutefois on les a fait monter sur le Misbeach, eh ben on les mettra, on les jettera au feu quand même. D'accord? C'est le principe du Perek, de nous apprendre quel type de psoul. On avait parlé de psoul chez Begoufo. Et si c'est un psoul, le Sheba Kodesh, dans la Mishnah précédente, on avait parlé de je ne sais plus de quoi, j'ai un peu oublié. En tout cas, voilà quoi, bon, on avait parlé de... Bon, petit détail en tout cas. Concrètement, on va parler maintenant dans notre Mishnah de membres de l'animal, que s'ils sont montés, il faudra quand même les faire redescendre. Pour quelle raison? C'est très simple. Vous vous rappelez de la règle? La première phrase du Perek. Kol amisbeach mekadesh et araouilo. Le misbéach sanctifie ce qui lui est apte. C'est-à-dire, il y a des membres qui sont théoriquement aptes à monter sur le misbéach. Il y a eu un problème. Alors sur ça, la Mishnah t'a enseigné. Le misbéach mekadesh et araouilo. Le misbéach va sanctifier ce qui lui était théoriquement apte, que même s'il y a eu un problème technique, si toutefois c'est monté, tu l'apporteras. Tandis que dans notre Mishnah, maintenant, la première série qu'on va voir, on va parler de choses qui ne sont pas des parts qui reviennent au Misbéach. Ce sont des parts qui reviennent au Kohanim ou au propriétaire à être consommés. Ou ce sont encore d'autres parts qui... Quoi, on va voir. Donc, puisque c'est des choses qui ne doivent pas du tout monter sur le Misbéach, même si tu les as montées, tu les as même jetées au feu, eh ben, tu prends une pince, tu les ressors du feu. D'accord? C'est clair? Regardez. Ve'elu im alu yirdu. Tels sont les membres que s'ils sont montés sur le Misbéach, yirdu, il faudra les redescendre. Bessar Kodshe Kodashim. La viande, la chair des Kodshe Kodashim. C'est-à-dire, on va parler du Khatat et du Hacham, pas de la Ola bien sûr, parce que la Ola est entièrement pour Hacham. Khatat et Hacham, lorsqu'on égorge, après avoir jeté le sang, il faut apporter quelques graisses. Chelev Amchasala Kerev, Vechever Jeklayot, Veyotoret Akaved. Et des parties spéciales que la Torah elle répète à chaque fois, à apporter, c'est ce qu'on appelle les Imurim, les Chalavim, les graisses. Tandis que la viande, elle est consommée par les Kohanim. Eh bien, si cette viande-là, on s'est trompé de destination, on l'a montée sur le Misbéach, il faudra aller la chercher et la redescendre. Idem encore, Bessar, Kodesh Kodashim, Kodashim Kalim. La viande aussi des Kodashim Kalim. Des Korbanot qui sont plus Kodesh Kodashim, les plus ultra-saints, mais les justes saints. D'accord? Kodashim Kalim, qui peuvent être consommés même par les Bnei Israël, dans toutes les limites de Yerushalayim, mais pas nécessairement dans l'Azara. Malgré tout, Imalou Yerdou. Ou encore, « Umotar ha-Omer ». Le « Omer », on a compté le « Omer » là, il n'y a pas longtemps. C'est quoi le « Omer » Le « Omer », c'est une offrande, une oblation qu'on faisait, où il fallait ensuite, de cette offrande, prendre un kometz, le jeter au feu, comme toutes les oblations, et le reste était consommé par les Kohanim. Eh bien, le « Motar ha-Omer », il était consommé par les Kohanim, si on s'est trompé, on l'a jeté au feu, et bien on pourra le récupérer. Il faudra le récupérer et le redescendre. Idem encore pour les... Ushté Alechem, cette fois-ci, c'est la voda qu'on fait à Shavuot. Shavuot, c'est tout un rituel qu'on ne lit pas à Shavuot, que les gens ne savent pas, c'est dommage. C'est une paracha dans Parashat Emor. Là-bas, la Torah nous raconte comment il faut faire le korban de Shavuot et faire apporter des shlamim, apporter deux pains, on faisait la tnoufa avec, et puis après, les pains, on les montait pas du tout sur le misbéach, ils étaient consommés par les Kohanim. Et bien, ces pains-là, de nouveau, puisque c'est consommé par les Kohanim, ils ne doivent pas monter sur le misbéach. S'ils sont montés, il faudra aller les redescendre. Idem encore pour le Velechem Apanim. Le Velechem Apanim, c'est les 12 pains du Shabbat, la voda du Shabbat. Il fallait les récupérer, on partait les récupérer. On prenait juste la Levona, une encens
qui était là-bas et on l'a jeté au feu. C'était ça en guise de comète, tandis que le reste il était consommé par les Kohanim de nouveau. Donc si on l'a jeté au feu, il faudra le récupérer. Ou Shiare Amenachot, idem avec les restes des Menachot. C'est quoi les restes des Menachot? Lorsqu'on a une mincha, une oblation, alors on prend le comète. Ouais, on aura l'occasion d'étudier Masechet Menachot, on apprendra ça longuement, mais en tout cas, le Kohen déjà, il doit prendre un comète avec ses trois doigts, et ce petit comète-là, il le jette au feu. Et le reste, c'est ce qu'on appelle la Shiara Mincha, les restes de la Mincha qui sont consommés par les Kohanim. De nouveau, on les a mis au feu, on les récupère. Ve Haktoret et l'encens. L'encens, certes, il faut la mettre au feu, mais au feu dans le Misbeach HaPnimi, pas dans le Misbeach HaFritzon. Bien sûr, vous vous rappelez, il y avait deux Misbechot, deux hôtels au Beit HaMikdash. Le grand hôtel, le Misbeach HaOla qui était dans la cour, qui faisait 28 amas, un gros pavé, un morceau énorme, haut de 10 amot. Et il y avait à part ça, à l'intérieur, quand on rentrait dans le Echal, il y avait là-bas un tout petit Misbeach, de une coudée sur une coudée, amas à la main. Ça, il était entièrement il était recouvert d'or, c'est le Misbeach HaZahav, Misbeach HaKtoret, on faisait sur lui l'Aktoret. Donc l'Aktoret, la destination, c'est dans le Echal, et pas à l'extérieur sur le Misbeach. Si on s'est trompé, on a mis de la Ktoret, de l'encens, sur le Misbeach HaRitzon, il faudra la redescendre. Ok? Maintenant, deuxième sujet de la Mishnah maintenant, on n'est plus tellement dans l'éoline en fait. Oui et non en fait. Regardez, on va parler maintenant de... on les lit, on les traduit, après on expliquera la généralité. On va parler maintenant de parties de l'animal, cette fois-ci, qui sont un peu... qui accompagnent des parties importantes. Par exemple, Atsemer, Sheberaché, Kvasim. La laine qui est sur la tête des Kvasim, des moutons. C'est-à-dire, lorsqu'on fait une Ola, on égorge l'animal. Alors, il faut dépecer tout l'animal. C'est vrai, mais la tête, il n'y a pas besoin de la dépecer. Le Efchet, Vénitoire, quand la Torah parle de Efchet, c'est sur le corps, c'est pas sur la tête. Donc la tête, elle reste avec la... elle reste intègre, telle qu'elle, avec les yeux qui louchent. Et la laine qu'il peut y avoir aussi, il peut y avoir un peu de laine sur les moutons, ou encore Vassar, Shibizkan, Teyashim, idem encore avec les poils, la barbichette des Zekan, de la barbe, des Tayashim, des boucs. Alors ces deux choses-là, de nouveau, si les poils sont restés dessus, les poils ou la laine, eh ben tu les fais monter aussi. Puisqu'il y a une mitzvah de brûler la tête, il faut faire monter tous les membres, même la tête, donc... Et il faudra, s'il y a la laine qui est avec eux, tu peux aussi la laisser. Idem encore, veha atzamot, les os. A priori, il ne faut pas faire monter les os, je crois. Mais en tout cas, là, on parle de situation... Non, on parle même a priori, apparemment. Ouais. Les os, veha gidim et les nerfs, veha karnaim, les cornes, veha tlafaim, les pattes, les sabots, je ne sais pas, on ne parle pas de sabots, on parle de, d'accord, la partie inférieure des pattes. Bisman shehen mechubarim, tant que ces parties-là sont encore rattachées, ouais, c'est-à-dire on se retrouve avec des morceaux qui ne sont pas de la viande. La Torah m'a dit de faire brûler la viande sur le misbeach. Eux, ce sont des parties que je pouvais très bien les détacher et apporter la viande sans eux, mais je les ai laissées attachées. Donc la Mishnah me dit, mais je sais, il y a un petit détail qui m'échappe, c'est est-ce que c'est a priori ou juste a posteriori, ça je ne sais pas. D'accord, je n'ai pas trouvé dans les Mefarshim. Et en tout cas, bisman shehen mechubarim, j'ai pas ouvert le Rambam. Tu vas le voir dans le Rambam. Bisman shem mechubarim, tant qu'ils sont rattachés avec la chair, ya'alou, on les fera monter. La chaîne de la Mishnah, elle est que même les khatrilan, a priori, on les fera monter. Je ne veux pas m'engager, parce que je ne veux pas induire un erreur, comme ça je comprends la Mishnah. A priori, il faudra même les faire, on pourra même les faire monter, tant qu'ils sont mechubarim. On ne t'a pas demandé de les détacher, tu pourras les faire monter avec les os, avec les petits poils, la laine, la barbichette, tout. Tu prends les morceaux tels quels, tant qu'ils sont rattachés avec la viande elle-même. D'accord? Par contre, Shenehemar, d'où je déduis ça du pasouk, Veiktir a Kohen et Hakol Misbecha. Le pasouk me dira Veiktir et le Kohen fera brûler tout sur le Misbeach. Tout, ça inclut tout, la totale. Même les poils, même les os, même tout. Tu prends tel quel, tu les fais monter. Par contre, par chou, s'ils ont été retirés, c'est-à-dire, tu as coupé les poils de la barbichette, du mouton, ou bien tu as retiré un os, donc maintenant il n'y a plus de chair, il n'y a plus de viande qui est rattachée à cet os. Dans ce cas-là, lo ya'alou, tu ne le feras pas monter sur le misbeach. Chez Nehemar, comme nous dit le verset, Ve'asita olotecha habasar ve'adam. Quand tu feras ta ola, ton holocauste, tu feras monter habasar ve'adam sur le misbeach. Tu as la viande et le sang, mais pas le reste. Vous avez compris? Il y a un pasouk qui me dit, tu fais tout monter, et un autre pasouk qui me dit, juste la viande. Qu'est-ce que je fais?
Alors réponse, la Mishnah vient mentionner, elle me dit, écoute, tant que c'est rattaché, tu peux tout faire monter. Si ça a été détaché, tu ne peux plus le faire monter indépendamment. Ce n'est pas digne de servir, d'apporter sur le Mizbéar des morceaux qui sont tellement superflus où il n'y a pas de chair du tout à manger. Ouais. Et c'est tout pour aujourd'hui. C'est une pleine Hatzlacha, Kol Tov, Salam.